Au stade de Venoy, les conditions n'étaient pas non plus idéales pour jouer au football. Caen et Saint-Étienne ont fait de leur mieux sans réussir à se créer beaucoup d'occasions de but. La meilleure en seconde période est à mettre à l'actif des Canets. Gravelaine obtient un coup franc. Que tire Willy Gorter, le néerlandais, sur la transversale de Joseph Antoine Bell. Score final 0-0. À Caen, on commence à prier pour qu'il s'arrête enfin de pleuvoir sur la Normandie.